En janvier dernier, le gouvernement guinéen avait annoncé la date du mois de juin pour l'ouverture du procès du 28 septembre 2009. Depuis cette annonce, et après la pose de la première pierre du tribunal spécial prévu à cet effet, difficile d'avoir des informations sur la construction de ces bâtiments et encore moins sur la date du procès. Le ministère de la Justice affirme que tout est prêt pour la tenue du procès sans donner de détails. Les personnes rencontrées dans les rues de Conakry dénoncent la lenteur de ce processus. Ce qui s'est passé, c'est pitiable, ça se doit pas. Pourquoi il n'y a pas de justice pour tuer les gens comme ça là? C'est un manque de volonté des autorités. Parce que s'il y avait la volonté, on aurait dit faire cela. Depuis fort longtemps. Depuis qu'ils ont arrêté Toumba, rien ne fait. Il y aura des frustrations pour les gens à attendre depuis 10 ans comme ça pour voir la justice. Il faut un jugement public pour que ceux qui ont été massacrés, violés, violentés, arrivent à ressentir un jugement par rapport à ce qu'ils ont suivi. L'association des victimes, parents et amis à VIPA, dirigée par Assoumaou Diallo, parle de manque de volonté politique dans ce dossier du 28 septembre 2009. Elle demande l'implication de tous les acteurs pour que la justice soit rendue. Les victimes sont toujours là et on attend. On ne va pas changer de position. Notre position, c'est quoi? C'est le combat pour un procès équitable, un procès clair pour toutes les victimes des événements du 28 septembre. Nous réclamons une protection nationale pour les victimes des événements du 28 septembre. Dans ce dossier du 28 septembre 2009, plusieurs personnalités ont été entendues par le pool des juges d'instruction, dont certains sont toujours en fonction. Le budget de la Cour est estimé à 78 milliards de francs guinéens. 77% seront payés par l'État guinéen et 23% par les partenaires internationaux, dont l'Union européenne. Bangali Kondé à Conakry pour la Deutsche Welle. Ah, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous. Bienvenue Omar, vous êtes guinéen, vous nous appelez de Pointe-Noire. Je dis que vous êtes guinéen car vous avez des questions concernant justement votre pays d'origine. Vous avez des questions sur ce massacre du stade de Conakry en Guinée. C'était il y a 11 ans, le 28 septembre 2009. Oui exactement, bonjour à tous. Le 28 septembre 2009, l'un des plus grands massacres de l'histoire a eu lieu dans un stade à Conakry, dont un membre de ma famille. Et parmi les victimes, on attend toujours réparation. J'ai deux questions à vous poser, Juan. Oui. La première, quel bilan peut-on faire sur l'enquête entre 2010 et 2017? Connaît-on les noms de ceux qui sont impliqués dans ce massacre? C'est vrai qu'11 ans après cet événement tragique, les victimes réclament toujours justice. Bonjour, Carole Valade. Bonjour Juan, bonjour Omar et toutes mes condoléances. Vous êtes l'un des correspondants de RFI à Conakry. Rappelons que ce 28 septembre 2009, des milliers de militants de l'opposition s'étaient rassemblés pacifiquement pour protester contre la candidature présidentielle de Moussa Dadis Camara, qui à l'époque était à la tête de la junte militaire. La manifestation au sein du stade s'est transformée en massacre. Les militaires, les soldats de la junte ont ouvert le feu, tuant au moins 157 personnes, blessant des centaines d'autres. On comptabilise également plus d'une centaine de femmes violées sur place. 11 ans après les faits, Carole Valade, où en est l'enquête? Alors, la question, on pourrait plutôt la formuler où on en est des enquêtes, hein, parce qu'il y en a eu plusieurs, en fait, trois pour être précis. D'abord, au lendemain du massacre, en octobre 2009, il y a eu l'enquête internationale des Nations Unies, cette enquête qui a permis d'établir le bilan de plus de 150 morts, une centaine de femmes violées et des centaines de blessés que vous avez évoqués, et qui suggère que les crimes peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité, et qui enfin dresse une longue liste de responsables présumés. Ensuite, au même moment, en 2009 toujours, la CPI ouvre un examen préliminaire et 9 ans plus tard, en 2018, elle confirme la qualification de crime contre l'humanité en ce que l'attaque aurait pu être planifiée. Seulement voilà, comme vous le savez, l'un des principes centraux de la CPI, c'est le principe de complémentarité, c'est-à-dire qu'elle ne peut intervenir uniquement que si l'État concerné n'a pas les moyens ou pas la volonté de juger les responsables. Et donc c'est pour ça qu'en février 2010, s'ouvre une information judiciaire nationale et c'est la troisième enquête. Oui, et c'est donc cette enquête nationale qui a permis d'identifier les présumés responsables.
Oui, l'instruction a été longue et difficile. Elle s'est achevée en décembre 2017 et 15 personnes ont été inculpées, dont 6 placées en détention. Parmi ces 15 personnes, il y en a 2 qui ont bénéficié d'un non-lieu et les 13 autres ont été renvoyés devant le tribunal criminel de Dixine, qui est la juridiction compétente. On ne va pas tous les citer, hein, mais les plus importants sont connus. Il y a le chef de la junte à l'époque, le capitaine Moussa Dadis Camara, le général Mamadouba Toto Camara, Claude Pivi, Toumba Diakité ou encore le commandant Moussa Tekboro Camara. Très inculpé donc, mais il faut rappeler que dans son rapport, la commission d'enquête des Nations Unies, elle, avait identifié un nombre bien plus important de responsables présumés. Allez, vous avez une autre question, Oumar? Oui, la deuxième question est de savoir pourquoi le procès ne se tient toujours pas malgré la pression de la communauté internationale. Oui, à quand un procès? C'est la question effectivement que se posent de nombreux Guinéens, d'autant qu'à plusieurs reprises, le gouvernement s'est engagé à l'organiser. Qu'est-ce qui bloque, Carole Balade? Ben alors, théoriquement, plus rien, puisque le budget a été arrêté, le lieu du procès a été défini, et selon le ministère de la Justice, ben, toutes les conditions matérielles et politiques sont désormais réunies, et c'est maintenant le parquet du TPI de Dixine, la juridiction compétente, qui doit l'organiser. Le procureur Philippe Soulemandiaï dit qu'il est en train de régler les dernières formalités selon le code de procédure pénale. Ensuite, le dossier devrait être enrôlé et appelé devant la formation criminelle. Alors quand? Bientôt, dit-il, mais sans préciser vraiment de date. Allez, pourtant, en début d'année, on s'en souvient, le ministre de la Justice avait annoncé la tenue d'un procès pour le mois de juin 2020. Nous sommes fin septembre 2020 et force est de constater que le procès n'a toujours pas eu lieu. Ah, effectivement, et c'est bien ce qui fait maintenant douter les victimes. Elles rappellent que plusieurs inculpés occupent toujours des postes de responsabilité. Elles craignent aussi que le climat politique actuel retarde un peu les choses avec la présidentielle prévue dans moins d'un mois. Bref, elles sont en train de perdre espoir en la justice guinéenne. L'impatience, elle gagne aussi les partenaires internationaux qui ont beaucoup contribué à soutenir les victimes et qui participent financièrement notamment à l'organisation du procès. Et certains diplomates envisagent même de saisir d'autres institutions comme la CPI ou d'éventuelles juridictions ad hoc comme pour le procès à Abré au Sénégal. Car ils estiment, rappelez-vous le principe de complémentarité dont on a parlé au début, que ce délai de 11 ans, eh ben, ce n'est plus un délai raisonnable, ce qui signifierait en fait que la Guinée n'aurait pas la volonté de tenir ce procès. Voilà. La Guinée n'aurait pas la volonté de tenir ce procès. Si le son est bon, on commence. Auzubillahi Samiel Ali Mina Shaitan Rajim, Bismillah Rahman Rahim, Rabbi Shrah Li Sodri, Wa Yassir Li Amri. وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Nous sommes le mardi 27 septembre 2022, il est présentement 21h passées de 44 minutes, 45 pour être plus exact, ça c'est en temps universel. Alors, il y a photo en dedans, dans le monde, il y a un Europe, il y a un donc, il y a une procédure habituelle. Mais tout ce qui est là, il y a un peu de temps, 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 il hande do yi ko direct mo tawata ko urgence wadi si de wadude mo yi kadi question mo landi de ngon après que on fop on suivi hande do o do emprisonnement sans surprise fi wonande andu beben ko no procédure judiciaire yara ko no wadi si wadde mo direct do ko fi toujours tuma ella fu di wadde o ma tuma manipulation fu di wadde o arrêté do ndaren ko honno wawirten yiltitude jama on essentiel on wawa be yubindirde e réalité on yaltenge konko woni manipulation arenge konko woni réalité on fopon ekuti do introduction mo wadden on do ko tawata ko émission wadano do en 2020 ce qui veut dire qu'il y a plus de 2 ans machine di din kanji di yeggitali andine do on ko insano wiyete parce que ko yeggito e arabu ko yeggito neddo wiyete parce que o yeggitay non ko ma o andintine toujours so andintina ka o yiltita essentiel on toujours o ore o yalta o deborda roda non précision ji didi do yen fuda de direct on tigi tigi première précision on contrairement e no wobbe haray sikerta ko moné wolde do ko mi anda mi buri jama on fo naka di argol do
famina hare yimbe ben fo ko nakkoy ko tola tu woni jojudo mamardo hakkilo mayo ko lotto ben fo wiyata mi fala dun don taw yen itudun don e hakkille meden ko du wadi simi wi mi tori ki Allah hawrindi nan e sawaba simi hawri non e sawaba yette mo kanko are ko kanko woni mo don kanko woni mo je meden na andugo lamburi jama on fo un premier précision parce que wobbe are do joni sikka wonde ma ko je suis en train de jouer l'intelligent ce n'est pas ça. Deuxième précision, koko moni arde wawla do kon welata wobbe ben minnata buyi kono welata wobbe go mi fala non hara yobe heditor lan hakkil ka moni yewde kon be wallina to émotion on be anda min tigi ko mi victime 28 septembre parce que mi do mari sorira be fekkim be 28 septembre be tawata han joni mi do wullude be sabande ma gibi ka be fekkini be ngure mabbe den kanyun kadi sonjuno sabudun non biddo mabbe mayi sabuko tay ko be ala don be ngure mabbe den sakiti tawnoɓe non ino tawanno tugalal ka nder ɓe nguri amen tawnoɓe ko nunɗunoɓe jokkunoɓe haji mum kamɓe hay e jurnono jurirde nden petit lac ɓe yimmi ɓe seeni ton kamɓe jurni subaka ɓe seeni ka stade ton ɓe waroya donc min tigui miɗo faranoyo o procès ɗo waɗe parce que je suis l'une des familles de victimes. Ça c'est la deuxième précision. Troisième précision mi falti e wadde on e non des moindres ke wonde ma koko moni wolde do contrairement e wobbe ko wani sikude toujours on hulay woni nangon e wiugol koko wona e wadede do eviten parce que en fala ka fristudude o etni do ma etni do ko question politique wana yade ko calcul politique si kon idi ardo da do mi tori ke ma pay hay e nibbi dannin telephone ma on yalta ka nder direct do parce que mi do tangini hare a wawata yide ko fala la ko nder parce que c'est exactement kon ko huluda don ko dun ara yomi arde mi wada do parce que ko dun don ara woni intention ma don min ko wolla ngi addude do kon c'est une seule chose comme j'ai dit précise gol andi nin ko hondu wadi wawe ngandude kon dun wonata comportement men on a partir de maintenant 13 ans après que de landa de yo procès do uddito fino ye wawo famude moƴƴa ko honto piège o woni taw si explique non koko waɗi ɗo sino doit kellede ma sino doit wullede ma sino doit jalede mi fala yen heɗito o entrevue mo Ousmane Gawa waɗi parce que ɗum ɗa waɗi 2 ans koko mi écoutini ɗon ɗo mais ɗum ɗo ko waɗi ɗum o semaine ɗo parce que ko dimanche ɗo entrevue on publia sur TV5 mi fala yon jentitomo ɗo nanon parti mo yewti on concernant au 28 septembre. Et nous sommes avec Ousmane Diallo, porte-parole du gouvernement guinéen. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Merci. Alors, on va revenir sur les sanctions de la CEDEAO contre les personnalités de la junte en Guinée. Peut-être d'abord cette information. L'ancien président Dadis Camara est arrivé cet après-midi en Guinée. Il se présentera mercredi pour le procès du massacre du 28 septembre 2009 du stade de Conakry. Peut-être une réaction sur les circonstances de ce retour. Disons qu'il vient répondre à la convocation de la justice et c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est pour la première fois, je pense, sur le continent, que sur l'engagement d'un chef de l'État, une tragédie de cette dimension, un procès va s'ouvrir dans le pays avec tous les protagonistes. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est un engagement que le président a pris. Et je pense que pour notre cas, pour la Guinée, il n'y avait pas de personne mieux indiquée que le colonel Mamadi Doumbia pour faire un tel procès de façon à ce que les Guinéens puissent regarder en face les souffrances que l'État ou que des Guinéens se sont infligées entre eux. C'est important pour notre mémoire collective, c'est important pour ce que le pays-là a vécu finalement depuis 1958. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Alors, les familles, peut-être rapidement, les familles s'interrogent sur les garanties d'une justice indépendante dans ce procès, et puis également de savoir si tous les inculpés seront présents au procès. Est-ce que vous avez peut-être une réponse à leur apporter? D'abord, en termes de garantie, je pense qu'il faut quand même avoir d'acceptation de l'idée même de la tenue de ce procès. Ce n'était pas quelque chose d'évident. Il y a un an, c'est un procès qui a été, c'est des violences qui ont eu lieu il y a 13 ans. Rien n'indiquait que les Guinéens allaient pouvoir faire ce procès sur leur sol. Le colonel Mamadi Doumbia est arrivé, a pris l'engagement solennel de le faire. Il tient et le procès s'ouvrira dans les délais prévus par ça, c'est déjà une garantie. Ensuite, tous les protagonistes sont aujourd'hui à Conakry. Tous ceux qui sont directement ou indirectement indexés dans ce procès sont à Conakry ou seront à Conakry pour cette ouverture. L'État guinéen a mobilisé énormément de moyens financiers et l'appareil judiciaire est mobilisé pour que ce procès soit exemplaire, pour que chaque partie puisse s'exprimer, pour que la vérité puisse être connue par le grand public et que les Guinéens tirent la dent
aussi bien de réparation morale, mais aussi une manière de communier par rapport à la souffrance que certains de nos compatriotes ont vécu pendant cet événement dans l'histoire du pays. Alors peut-être revenons sur les sanctions de la CEDEAO qui ont été déposées. Voilà. Ok. On a eu entre vidéo, on a eu un autre français, qui a été retenu et on a entrevu mon canyon, Ousmane Gawal Diallo. Première des choses, d'abord, on a eu que le procès s'ouvre avec la présence de tous les protagonistes. Watane il a moi au parti avec la présence de tous les protagonistes. Combien on est protagoniste? Combien on est protagoniste? Protagoniste ko wonno de yewtu de ndayande kon ka direct meeting ki don anditi ko dun do wonno dernier point mo yewtu de den on si arde non ka diverge 007 yetti o terde en expliki course inna ma justice no wade de ko hombe woni ton ko accusé don ko dun woni toña don e victime ko dun woni wulliti don e wullita do e mudum on bedo dido mo kala dowta dum kanko be inata nyama kala ju mudum on ma avocat mudum on si be ari be hewta e dun sudu inete ndu cour de la justice on cour de justice don imo composi kanyon kadi compartiment ki tawata yilte ta ko mo ngajuta ko bedo hedi to to parti ji din protagoniste non ko on wiudo on mi wada mai on wiido on wada mai hore mudum. Évidemment, témoin kadi aray ton dun don kanyun kadi ko elemango nato woton hakunde toñu don e toña don mo kala adda cede mudum on wiudo on ko kari wa immi wa adda cede ben on wiudo mingi nami wadi on don kadi adda cede be ben cede to tobe labina mo wonde may na gonga ko wiako sinama non protagoniste ko bedo fu hawtoniri kon taw don ko victime e on tawdo on ko accusé wondude non e kanyum bebebe innata do témoin si tay non kan Ousmane Gawalo inni en présence de tous les protagonistes alors que de ngandi protagonistes be go ala nerton ndanyande mi attirino attention e mede ngon e mum mi yahali dalle détail parce que wonde si bebe no hiditade do be jendo ko mi yewtata kon ko émotion on gitata be ben nana goddum go autre ko mimmi woni wolude ko mi fala donc yon genti toro lang hakil andon ko honto feundi den do par rapport au procès o wito e vers la fin o insisti kadi pour une deuxième fois o inni tous les protagonistes sont déjà en Guinée ou devraient être en Guinée mi yilti to kon parti on do genti to donc moja parce que da oui à la présence de tous les protagonistes mi yilti to do hay si wobbe yidata ko ko mi wadata yilto me genti to que les Guinéens allaient pouvoir faire ce procès sur leur sol. Le colonel Mamadi Doumbé est arrivé, a pris l'engagement solennel de le faire. Il tient et le procès s'ouvrira dans les délais prévus par ça. C'est déjà une garantie. Ensuite, tous les protagonistes sont aujourd'hui à Conakry. Tous ceux qui sont directement ou indirectement indexés dans ce procès sont à Conakry ou seront à Conakry pour cette ouverture. L'État guinéen a mobilisé. Voilà. Sont à Conakry ou seront à Conakry. Mi fala e wat oppose mo ya e watane yila e piège mo wonde ngon e mudun do inquiétude dango ko dun simi fuddori mi inni je suis l'une des personnes proches des victimes donc mi fala yo procès on wado en bonne et due forme harana procès bâclé wadete harana simulacre de procès ko do wadi si yeltiti den o émission mo wan gomez wadi kabe explique don be inni wonde ma instruction on boucle non ma nebi landano ki yo dun do retardu compar hazal malgré tout d'un coup lancé inne yo procès on wadou monsieur Dadis Camara arta taw la Guinée dans un premier temps sur la pointe des pieds o yewti de mudum ko tawata hande on nora l'occasion de revenir sur sa yewtere ne kondu wadi wawon non famude ne mede yalta do explicana on goddi émotion on wada jama o ronkanande konti holde ko voilà non hande do en woni devant les faits katawata don hande kadi en ettay non poka seji din katawata certaines personnes n'ont pas voulu assumer juste au bout ce qui se passe gentete la non moja ko mi woni wolude kon do et j'assume ko mi woni wolude kon ko mi woni wolude kon kanyun kadi interpréterer no falira on je m'en fous. Comme on est oulde qu'on a dit, on y est dans les jours à venir, dans les semaines à venir ou dans les mois à venir. Parce que Ousmane Gawale,
be organisi o procès mo tawno na be surno procès on tenete ko du wadi ay momando ne o yine no inne do no gasa 28 septembre wa ita ke respected kono no wadi dun non parce que capitaine Moussa Dadis ka yewti dano kon ka o adi o explique na wande ma dossier on uddite kono a la fin de compte qu'on non lieu wadoita madon faute de la présence de tous les protagonistes dossier on hande kadi ko ben innabe ko victime wobe ben o yita o parmi les inculpés non be mai parce que c'est ndari do wano toto Mamadou Ba toto Allah hinno mo yafo hande do woni fure wobe go été en fonction. Posez-vous la question qu'on notawili c'est à deux jours de l'ouverture du procès capitaine Moussa Dadis Camara dum fo parino e hôtel ko a 24 heures wana yettere do na be ka prison be wonbe imade don nanga kellugol inna wonde mako dum do be habbino e wado mijite moja ko wondo e wadde ko andon taw aranu fonctionnement justice on si woni 24 heures do yo procès on wade si tayi onti yetta ka soko ya onti tigi ko yo aruka lamu inna mi woni e disposition modon naka suudo onti ki onti yurata yaha kabe inata don première comparution andube ben fo justice on article no wodi hay e yewtu de finun non ke wonde ma onti ki tigi constitue to prisonnier donc ina surprise dun do kambe non kadi be hola no ki wonde ma capitaine on arai parce que ko risque ji be woni mo yetade dir risque ji don ko hondum meden nadude makakaso kono andu ko haldigal meden wonada e nadede wobbe yaltay kella kono procès on yahiroita no yimbe ben habbori non sa deja ande dun non c'est un procès bâclé wonay wadede do an o wondo yaltude do kella hollay tu woni annu e mada sifa on mo holluno da kadi fewno kasori en nanga na baka kaso fewno lunseni en nanga na baka jori non kono no arrange ma après bay be jetta ma be na ba maka kaso mi landike ma lando yi ma hakki mi lando yi ma alla donc mi fala yaltu e di emotion ji parce que ko di emotion ji toujours woni en e wadude tetorno den essentiel on nange e legitime gol kon ko tawata ko simulacre ko ni kadi wadono dello 5 septembre yaltu dem parce que yitun alpha conde nada mai otowal inna ma kudeta wadi hore makko kellande o jeunte do hande do yiden kellande ko wontu nadi donc wattane yila mo jamu sibbe andon on ne doit d'abord pas se réjouir du malheur de son prochain ça déjà c'est par principe si on wattane yila koko hebi ko messi alpha conde gibi nyande kudeta watno yiltite discours mi watno onde nyande si mi arno mi nangi e jalugol welto fami na wonde ma problème di guinée ji din fop landi comme inno no une page s'est tournée une nouvelle page est en train de s'écrire ko dum mi woluno awa do kadi wattane yila parce que on yalta woni hollon konko tawata finalement yilti toyto contre modo parce que don kellande do ko tawata on anda ko ndu wondo ngi kellande ko ni be manipuler zain toujours be fami na nay ko wonde ma ils sont sur le droit chemin wa be adanino men do taw deja information ji pour une fois ko dun landino don kelle soute non dun do wata on nangu itugol ella e dun do e ngakke faites beaucoup attention suma sumito ko e mafe dun kadi ara ko mafe weldo o do non mafe CNRD ko mettu do tiep donc kala nangu e yaltude do wi pour une fois ils sont de bonne foi ma dun be wadir de piji din no duirano si deux acteurs clés à savoir président de l'UFDG et président de l'UFR no lagine nou au procès wadatan je vous le dis en toute connaissance de cause o yay non kadi balde won e arde dode comme j'ai dit je m'en fous ko yimbe innoita do tola toujours no insiste de fiu ala gi sellu e kari e kayo immo artaka leydi doni je m'en fous de ce que je vous dirai et vous penserez mi yeto to woni effectivité piège mo nada don e mudungo parce que be andi procès o yarata no duirano joni non wobbe nangay wiugol don protéger o do protéger o do ko o yottori yagal meden wadugol calcul meske woy ko koy hadi heben ko fala den ko voilà ce qu'il y a comme problème parce que hande do on nangay do joni yaltugol inay son de bonne foi be jetti be nadi moy kaso c'est le principe à 24 heures ouverture procès on tigi yaete nade kander kaso
e kadi andugol makko no wondema yave e risque yo jabu argol noto be ko dum wadi si o retarduno artugol makko gol ko dum wadi si be innuno kadi wondema il s'était pas sûr ouverture dossier alors que tout était déjà prêt kanko tigi Ousmane Gawal bay o humpitike wondema capitaine Dadis hewti lagine o welti be amu parce que be andino so artano procès wudi setanoke. Voilà ce que vous devez savoir. Mene non me ngumpiti no ke dun do nebi mema itamo be wadio. Dibi kaw arno e hewti, be yidi be yewti, be explikani mo be inni koko landino da aru reponda, on to garanti ke ti no sera pa di tu terni a lutata e kaso holo me me wadante dun do. Pour preuve, hino do be me noddi be nganjoni be susali artugol, si be do non arali o risque de mettre la situation sur eux, inne ke wondema an a noddu nobe wit ata be aru be sali donc par conséquent responsabilité en forte de certains éléments clés hande kadi ko yo bakle on nani taw hala ko na yaltinede do ke wondema kambe be hite do majama par rapport e ko ko wadno ko le 28 septembre faux et archi faux mbudi di be hendi din ko fi ka ciudi mabbe din lanciano kon ko dum be hendani si don anditi élément be arno débarqué ka ciudi mabbe mo kala e mabbe Jean-Marie Dorego e kanko yaltuno inni o tey pass o wattiti ke suudu makko nu faala do woyo ar don poursuivam o yaltina naymo ko windi kon ka kaydiji c'est pour les dommages subis dommages matériels je mets au défi jogi be kaydiji din dédommagement yo be yaltin don ka inna c'est par rapport aux victimes c'est faux et archi faux pour preuve mbudi ko itta woko itta ko famille des victimes ben jonnete no pas responsable politique ben donc intoxication wona do wadé de do hore jama c'est la même chose encore qui se passera par rapport au procès do ko innoité les acteurs clés wadno be landi fi procès on pendant toutes ces années procès on wudita mabé artali donc par conséquent ko jugement par défaut wado été nerto parce que des éléments clés de l'enquête ou du procès ne sont pas là, soit décédés, soit considérés en fuite ou bien occupant des fonctions. Voilà ce qui risque d'arriver. Ça y est, mais que à quel lit nous non, tu es en train de refaire la même erreur encore. Holla y est, mais ben ennuyez-moi donc. Bonne idée entre les idintu, parce que finalement il va devenir la victime. Hande kadi non tawno don kanko il est considéré être l'un des accusés ou wonti to ya hande kadi victime o heba sympathie di mobe makko be donc faites attention be wonbe wadde publication ji do et vidéo ji do welto capitaine Moussa Dadis Camara nati e kaso a falji a bonni a yilti to ito kadi hersa hore mada ninsa ko amanno da ko l'heure n'est pas ça di koko wadi do kon comme je vous ai dit justice on ko non fonctionnerta kombe marno ton ko hulaino ko be tawbe be noddano ma parce que instruction wadino pour des avocats et juge be imino ke yehino yawino capitaine Moussa Dadis gwaga duguton be wadino instruction dossier on déjà taw ko CP yon wonno mo yettude donc ko pression wonno e hore lagine do ko mabe udita procès joni non udditugol mabbe procès on be fala mo udditude me be hendi taw be soggi bembe be andi be fala kay be wonuka pay je l'ai dit et j'ai insisté à chaque fois si mi wolino do yon nane ko mona e wolede kon fame ko attaque golla min nanga yugol tola ko contre alaji sellu ko contre kari e kari donc me andi position mal joni non on va se zioter ici et yai non qu'est-ce qui va arriver dans les jours à venir wassalam.